Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Explorons ma bibliothèque Steam. Et aujourd'hui on est sur Octodad, Deadliest Catch. On est sur un jeu un peu what the fuck, on va dire. On va devoir contrôler un poulpe pour voir un petit peu, pour aller à son mariage et tout. Il est incontrôlable parce que j'ai pu tester, donc on est parti tout de suite. On va aller contrôler ce poulpe, c'est un jeu génial. On va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie pour voir un petit peu à quoi se ressemble ce jeu. Oui, je vais écraser la sauvegarde parce que j'avais bien sûr fait une partie de test pour voir un petit peu si le jeu marchait bien. He's just running late. He's always late. Okay, je suppose que c'est notre femme avec qui on doit se marier. On est un poulpe qui se marie avec des humains, c'est tout à fait normal. Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. Ah mais on est un peu stressé, hein, c'est le jour de notre mariage, tout prend notre temps, quoi, normal. Alors, on peut enfin contrôler le poulpe. Sachez que je joue à la manette. Oui, je joue à la manette. Et non, au clavier. Parce que c'est plus facile à la manette quand même. Alors, déplacer le joystick gauche pour contrôler le bras d'Octodad. Ok. On nettoie la table, voilà. Nettoyer la table. Enlever les coussins. Appuyer sur la gâchette haute gauche ou la touche A pour prendre l'objet et le lâcher. Ok, on prend et on lâche. On prend et on lâche. Le dernier petit coussin. Oh, il y a une clé. Ouvrez le placard avec la clé. S'il te plaît, la clé. Hop, viens par là, la clé. Excellent. Ouvrez le placard avec la clé. Orientez le joystick droit vers le haut ou le bas pour lever ou baisser le bras. Allez, de une. Ah putain, en plus, ils ont mis deux cadenas sur cette porte. Viens par ici. Voilà. Ouvrez le placard. Oups. Je crois même que j'ai cassé un mur. C'est pas moi. Alors sortez de la pièce, maintenez la gâchette droite pour soulever progressivement la jambe droite. Oui. Et ensuite, maintenez la gâchette gauche pour soulever progressivement la jambe gauche. Ok, d'accord. Ok, on a une façon très discrète de marcher. On marche comme ça, nous, quand on marche, on fait des grandes enjambées comme ça, partout. Là. On est un peu une danseuse, nous, quand on marche. Trouvez et mettez votre smoking. Oups. Trouvez et mettez votre smoking. Pardon pour les tables. Vous aviez mis du temps à préparer ça. Oui, je sais bien, mais bon, que voulez-vous? Ce n'est pas de ma faute, hein. C'est des choses qui arrivent. Là, dressing room here. Ah, le voilà notre smoking. Et c'est le changement, regardez. Comme je suis beau gosse avec mon smoking. Mais le poulpe, il danse, quoi. Je prends la petite clé. Le poulpe, c'est une danseuse, une majorette, quoi. Attendez, regardez le gâteau, là. Oh, le gâteau, regardez le gâteau. Voilà. Je suis à la place, ici, dans le gâteau. Alors, ouvrez la... Ah, regardez, par terre, il y a une cravate à moitié. Ouais, j'ai trouvé une cravate. Ça, c'est des genres de collectibles, enfin, à collectionner un petit peu partout. Du coup, heureusement que j'ai vu. On va ouvrir la porte. Pourquoi une bouche d'air qui nous amène vers des bananes? Ah, il était beau, ton gâteau, hein, mais le gâteau, j'ai complètement pété. J'ai saccagé. Le tableau, on casse tout. Pardon, le vase. Bien sûr, les pots de banane, hein, qu'est-ce que c'est drôle, hein, les pots de banane, hein. Ah, ça, c'est marrant. Oups, pardon. On ouvre la porte, voilà qui est fait. Oh, notre nœud papillon, il est là-haut. Il faut aller le choper. Entrez dans la chapelle. Et là, il faut avoir un nœud papillon obligatoirement. J'ai un nœud papillon, donc ça tombe absolument bien. Entrons discrètement, bien sûr. On sait se faire discret. Poussez-vous, les cadeaux, là. Oh, le bordel. Oh, le bazar. Aïe, je suis coincé. Ah, voilà, deuxième porte. Regardez, il y a un chapeau. Attendez. Le même chapeau sur ma tête. Voilà, j'ai un chapeau. J'ai un style. Descendez l'allée sans encombre.
Les gens vous regardent, ne faites pas n'importe quoi, sinon ils sauront que vous êtes un poulpe. Mais ils savent que je suis un poulpe, non? Il doit être tendu, ouais, je suis tendu. Oups, pardon. Oups, le mec il perd discret à son mariage, il casse tout. Bonjour madame. Le témoin, je ne sais pas où il est. Où est la bague? Récupérez la bague. Elle est où la bague? La bague. Ah, la bague, elle est là-dedans. Non, t'inquiète, on s'en sort. Donnez la bague à Scarlett. Tiens, voici la bague pour toi. Hé, voilà, elle est belle la bague. La bague, elle fait 3 fois ton poignet, mais elle est super belle cette bague. Quel beau mariage entre un poulpe et un être humain. Oh, c'est émouvant. Young Horse présente. Creative Director Kevin Zoon. On peut bouger le poulpe? Ah oui, on peut bouger le poulpe. Oui, j'étais en train de te casser. Pardon. Vas-y, on casse les lettres. On casse les lettres. Ah, on a loupé les lettres. Pourquoi je suis étendu dans mon lit comme ça? Allez dans la cuisine. Éteignez-moi ce réveil là. Le réveil. Voilà, merci le réveil. Est-ce qu'on peut ouvrir tous les placards, vous pensez? Ah oui, on peut ouvrir tous les placards. On peut ouvrir tous les placards. Il y a beaucoup de chemises, hein, je trouve. Bleu, 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 bleu. Il y a aussi à faire des enfants. Salut les enfants, ça va? Allez dans la cuisine. Mais oui, je t'achète une licorne quand tu veux. Mais oui, t'inquiète, un jour je te dirai oui pour ta licorne. Ne t'inquiète donc pas. Je suis tout à fait normal, je suis un papa normal. Regarde-moi. Faites du café. Tout le café. Je vais prendre ça. Mais non, reviens. Reviens le café. Reviens. Ça coule là ou pas? Oh Jaco, tu mets du café dans le truc ou pas? Ah c'est bon. Ça dégage. Maintenant il nous faut le truc que j'ai jeté tout à l'heure. Lâche à cette table! Tac. Voilà. Excellent ça! Ça c'est du café propre, non? Apportez du lait à Stacy. Ok, le lait il est où? Le lait il est où? Ah, le lait il est dans le frigo. Alors, j'ouvre la porte. Alors, le lait, le lait, le lait. Tiens, Stacy. C'est du lait ça? Ah oui, c'est du lait. Ok, bon, on y va. Oups, le feu ça brûle. J'arrive, hein, j'arrive. Je suis juste un peu bourré le matin, mais c'est pas grave, t'inquiète. Allez, Stacy. Putain, tu veux que je te mette dans ton bol en plus? Tout va bien. Je te remercie. Tout se passe admirablement bien. Ces enfants sont charmants. Mais pas la chaise. Reprends ça. Voilà. Tiens, du lait. V'là du lait. Du lait, du lait. La caméra qui fait du caca. Et voilà le lait. Merci. Et voilà.
Merci beaucoup. Je vais aller faire un tour dans le jardin maintenant. Ok. Ah oui, rien que ça, tourne la pelouse et tout, prépare d'hamburger aussi. Et la touche tarte. Il faut désherber le jardin, sortez la tondeuse et coupez du bois. Oh la mauvaise co, Milou. Reviens parmi nous, Milou. Faites griller et servez des hamburgers. Ah, je suis complètement excité, la petite femme là. Je vais faire des hamburgers. Oups là. Oups là. On fait griller. On enchaîne. Les hamburgers. Je me suis brûlé, je crois. Ça brûle. Pardon, ma petite fille. Désolé. Papa est un peu bourré aujourd'hui. Mais bon, tout va bien. Tout va bien. Ne t'inquiète donc pas. Voici. Ça dégage. Pardon. Je mets juste des petits coups, hein. Pour qu'il soit réveillé tout le temps. Allez, oh le bazar. Oh le bazar pour monter là-dessus. Ah, viens par là le steak. Allez, l'hamburger, ça c'est fait. On va désherber le jardin maintenant. Le jardin, ici même. Où c'est qu'il y a des mauvaises plantes? Pardon. Ça dégage. Au suivant. C'est là? C'est là-dedans qu'elle est la tondeuse? Oh le bazar là-dedans. Pourquoi on a tant de ballons chez nous? Rentre là-dedans. La tondeuse. Donne-moi la tondeuse. Je veux pas de ça, je veux la tondeuse moi. Casse-toi, la tondeuse. Ok, on a la tondeuse. Ça va être une galère encore sans nom. Ok. On tombe pas mal la pelouse pour l'instant. Ça se fait plutôt bien. Et voilà, l'herbe est tondue sans problème. Couper du bois, ah mesdames. C'est quoi toutes ces... Lâche. Où elle est ma hache? Elle est là. J'adore couper du bois. Et voilà, elle est coupée. Comme ça qu'on coupe des arbres, nous, dans la vie. Casse-toi, toi, la bûche. Hop. Et hop. J'adore couper du bois, si ça pourrait être si simple que ça. J'en couperai tous les jours. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en couperai tous les jours. Où est ma petite hache? Elle est là. Hop, on revient. Coupe du bois. J'aimerais couper du bois. Et voilà! Ah mince, elle est tombée, notre nichoir est tombé. Il fallait le réaccrocher. What the fuck? Attendez, je vais te lancer un deuxième nain de jardin. Et voilà. Il est fou cet homme-là. Qui est donc cet homme-là qui a voulu m'agresser? Je ne le connais pas. Ah, nous sommes au supermarché du coup. Trouver la pizza congelée. Ok. Ah, il y a des gens. Il y a des gens qui nous observent. Moi, je vais aller chercher la pomme. La pomme. La pomme parfaite. C'est quoi la pomme parfaite? Ah, elle est là-bas, la pomme parfaite.
Trouver des bananes partout par terre. Ah, ils font chier avec leurs bananes par terre là. Attendez, je vais prendre la pomme. Elle est pas belle cette pomme. Pas belle celle-là non plus. Moi je veux la pomme parfaite. La pomme parfaite. Qui c'est qui a posé toutes ces bananes là par terre? Oh non, il faut la bouteille de soda, elle est tout là-haut. C'est un peu le bazar, je trouve. Hein. Arrêtez de m'écraser. Oh, elle m'écrase avec ton chariot, elle. C'est pas ça qu'on veut. C'est celui-là. Celui-là. C'est pas celui-là qu'on veut. C'est pas celui-là qu'on veut. C'est pas celui-là qu'on veut. Nous, on veut celui tout au fond. Et voilà, le lait au chocolat. Ensuite. Mais soda à la mangue, il est tout là-haut, là. Ça m'énerve. Il faut des céréales à la pizza congelée du soda. Our freezer section is all frozen up. Je sais pas comment faire pour passer après dans les autres rayons. Passer de congélo en congélo après. C'est ça qui m'embête. Hop. Ta jambe. Il est con ce mec, il est con. Il se bloque partout. Est-ce qu'on peut genre passer ah, peut-être là-haut, attendez, peut-être tout là-haut. Regardez comme ça, après nos deux jambes. Tac tac. Personne, tout le monde trouve ça normal quoi, qu'il y ait un poulpe qui vienne. Attendez, attendez, hop, hop, voilà. Voilà, voilà. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Après, vous passez par tout en haut. Hop. Si vous pensez qu'on peut passer par là. Ah, si on peut passer par là. Ok, j'ai rien. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ces congélos? Bon, ben voilà la pizza. C'est quoi ces congélos? What the fuck? Ou genre, il y a un parcours en haut des congélos? Oups, alors hop, voilà, on continue à monter. Monte! Et voilà la bouteille de soda! On a tout ce qu'il nous fallait au supermarché. Qu'on ait un sushi dans l'arrière-salle. Au fond du magasin. C'est où le fond du magasin? C'est pas ici. Ah, par là, par là. Regardez, on peut passer par là. On va passer par-dessus le comptoir. Hop. Ah, le sushi. Le sushi. Attendez, là, il y a un truc derrière, je suis sûr, là. Derrière ces cartons. Regardez, est-ce qu'on y va? Ah non, il y a rien. Non, je suis enfermé. On est avec le chef. Courez. T'es drôle, toi. C'est par où? Mais c'est par où? Attends, ils ont mis des pots de banane encore, là. Nettoyez le sol collant. Nettoie le sol. Non, je suis collé au sol. Oh, le bazar. Hey, but get away from... Free sushi samples in the back. They are delicious. Le sushi, c'est bon là. Maintenant, il faut courir. Star run. On run. Slow down, or I can kill you. Putain, les pots de banane de merde. Ok, on a nettoyé le sol collant. On repart. Et voilà, on a enfermé le chef. Qui est pas très gentil.
Mais pas besoin de t'inquiéter pour moi, je m'en sors très 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 bien tout seul. Ouais, c'est vrai, je fais des choses très bizarres. Toi aussi d'ailleurs, tu fais des choses bizarres. Ta fille, tu vas aller faire du piano. Bon, on passe à la caisse, hein. On va à la caisse. C'est ça la caisse. Ah, il faut qu'on... Ah d'accord, dans ce magasin, on caisse nous-mêmes, quoi. On encaisse nous-mêmes. Hop, les céréales. Ensuite, le soda. La fille me rend fou. Ça, c'est bon pour le lait. Ensuite, la pizza. Voilà. Et voilà, on a réussi à faire les courses. Yeah, à l'aquarium. Oh, il est grossier, ce poulpe. Bon, et bien, les voilà, les amis, c'est la fin de ce Explorons la bibliothèque Steam sur Octodad. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Nous, on va continuer tout ça en live. Et en tout cas, n'hésitez pas à voter avec le sondage qui est en haut à droite sur le point d'exclamation pour le prochain jeu de Explorons la bibliothèque Steam. Moi, je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.